sur une valse, Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova. Cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me. I'll always let you down. You shattered on the ground, but still I find you there. Clément Rémiens, c'est Denitsa Ikonomova, mais quelle valse! C'était magnifique, même si impératrice, elle n'en a pas eu des comme ça. Rejoignez-moi tous les deux. On vient d'avoir l'ambassade d'Autriche, il vous file la nationalité, hein. Je vous le dis, c'était beaucoup trop beau. Bravo ma Denny, qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux, vous êtes trop forts. Vraiment bravo, bravo. Quel est l'avis de nos juges? On va commencer avec Juan Marco. Clément, c'est ta deuxième performance. Et encore une fois, c'était une première fois que tu dansais une valse. 2 performances, 2 nouvelles danses. Bravo. Merci. C'était tout en légèreté, presque en pureté. Je suis pas étonnée parce que tu es un bosseur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu es avec une de nos meilleures danseuses. Vous faites une équipe hyper soudée. La technique était là, le cadre. Pour moi, vous m'avez fait voler, vous m'avez transporté. J'ai juste envie de dire que je suis sûr qu'on est tous fiers de toi. Papy Georges est fier de toi. Et je vais dire hashtag demi-finale. Ce que je vous propose, Chris, vous changez la couleur de la veste, si vous voulez bien changer la couleur, parce qu'il peut réellement changer la couleur de sa veste. Non mais pas rouge. En attendant, on va demander l'avis de Shy'm, le temps de changer la couleur de la veste. Rouge, vous êtes sûr? Ça remarche. J'ai trouvé ça d'une perfection. Je suis pas sûre que ça soit ici que je parle. Hein. C'est mode sapin de Noël. Une exécution comme à ton habitude, Clément, c'était propre, c'était... Non mais je vais pas parler, c'est nul en fait, ça sert à rien. Non mais je vous en prie. Allez-y Shy'm, excusez-moi, allez-y. Encore une fois, Clément, très appliqué, c'était propre, c'était maîtrisé. Il y avait, pour moi, il y avait juste un petit manque pour que je rentre encore plus dedans, c'est d'avoir peut-être un peu moins de concentration, justement. Ça fait plaisir de devoir sourire, de devoir vivre un moment de légèreté, mais j'ai trouvé encore un peu trop scolaire, malheureusement, et c'est ce qui m'a empêché de rentrer réellement dans l'histoire. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Shy'm. Merci mille fois pour votre avis. Je vous laisse prendre, il y a un cadeau au pied du sapin, si vous voulez. Et moi, allez-y, Chris, votre avis sur cette danse. Joyeux Noël bientôt. Non, moi ce que j'aimerais vous dire, attention à une chose. Vous voulez aller en finale ou pas? Non, non, il faut que j'entende. Est-ce que vous avez envie d'aller en finale? Alors il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Parce que ce qui se passe, c'est que sur cette deuxième danse, j'ai trouvé qu'il y avait des petites maladresses qui justement peuvent être dangereuses en fin de parcours. C'était bien, c'était élégant, c'était une très belle chorégraphie de valse, mais attention, les petits pieds en dedans, les petits coudes un petit peu trop baissés, attention, ça ne fait pas un champion. Donc moi, j'aimerais bien vous voir dans 2 semaines en finale, mais attention, on ne se repose pas sur ses lauriers. Entendu. Clément, Denitsa. Clément, lors de leur première danse, ils ont obtenu 28 points. Vous vous êtes ici à la première place du classement. Voyons si les juges ont apprécié tout autant cette deuxième danse. On va le savoir en découvrant les notes de nos juges. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupond. Moi, je retrouve chez Clément des choses que j'ai vues chez les grands. 10. Shy'm. C'était bien, Clément, mais on est en quart de finale. J'en veux plus. Un 8. Chris Marques. Complètement d'accord, on peut faire encore mieux. 8. Jean-Marc Généreux. 9. Yes, oh. 35 points. Encore félicitations à tous les deux. Le clic était très précis. On sent une belle maîtrise du geste. Ça va être un parfait abonné. C'est le clic juste là.